Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais ouvrir du coup le coffret Silver Roi Cavalier des Francs V. J'ai enfin pu m'acquérir du coup deux nouveaux packs de boosters et coffrets, enfin après un long mois d'attente. Donc voici le premier coffret, je ferai l'ouverture plus tard du deuxième, ainsi que dans des prochaines vidéos, l'ouverture de petits boosters EB0Z. Aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci, et c'est parti! Du côté de Silver Roi Cavalier des Francs. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et c'est parti du coup pour la découverte du petit coffret Règne de Glace. Voilà, alors du coup, on a la jolie carte promo par Silver Roi Cavalier des Francs V. Elle est magnifique. Belle carte. Allez hop, X-Face direct. C'est parti. La Jumbo, bien sûr, donc les cartes géantes. Voilà. Très très belle. Et du coup, alors on va avoir dedans deux boosters Règne de Glace EB06. Oh, attendez, hop, petite carte code. Hein. Du coup, on a un Soleil Ultra Prisme. Pardon. Hop. Et on a un style de combat. Et ça, c'est parfait. Parce que ça fait la collection. Je galère tellement à en avoir que même les styles de combat, je les ai pas finis. Donc c'est super. Allez, c'est parti. Et bien sûr, on va commencer d'abord par les Règnes de Glace. Et c'est parti pour l'ouverture. Et c'est parti. Donc on a Farfuret, Garantie Chaud de Gala, Coffarel, Venipat, Ovali, une carte énergie chance, Poigo 2, Lapiro, Gam en reverse, et on termine avec Poigon Z en holo. Très belle carte. Voilà. Allez, deuxième petit booster EB06. Allez, Topicœur, Pyronil, Sepiatop, Rocabo, Fantominus, Énergie, Agatha, Lapiro, Boule de Cristal Brume, Poégon en reverse, et on termine avec les Argus Holo. Voilà, belle carte également. Bon, rien de fantastique pour EB06, étant donné que bah, ces cartes-là, je les ai quasiment toutes. Bon, allez, on va ouvrir le petit style de combat. Voyons voir ce qu'on a dedans. Un style de combat, il manque surtout les cartes V. V, V max et secrète. Allez, Balbuto, Scorplan, Tritox, Archeomir, Cacnea, Énergie, Scorvol, Jean-Fleur Régentin, je rapace des pics, corde de sortie en reverse, et on termine avec Hippora Holo. Voilà. Et du coup, on termine avec le petit du coup, Soleil du Neutral Prisme. J'en ai pas énormément, disons que je ne sais pas. J'ai commencé réellement à mettre l'ouverture de cartes sur épée et bouclier, donc du coup, Soleil et Lune, j'en ai. Mais loin de finir les collections. Vraiment. Et c'est parti, Roselia, Mangouton, Moufouette, Goupis d'Alola, Evoli, la carte énergie, Fan Club Pokémon, Kranidos, Gouroutan, Drascor en reverse, très belle carte, je l'ai pas celle-là. Et on finit avec Pangoléon, elle me dit rien du tout, donc je dois pas l'avoir non plus. Allez hop,
Et bah du coup voilà, bon, je n'ai pas obtenu grand chose dans cette ouverture de cartes. Bon, je rappelle que du coup on a quand même la carte promo. Je fais quand même la collection de toutes les cartes promo épée et bouclier au mieux dès que j'arrive à pouvoir avoir les cartes. C'est un peu compliqué d'avoir les coffrets. Mais voilà, j'ai encore réussi à en acquérir une. Je les ai quasiment toutes, donc c'est super. Juste les premières que j'ai loupées. Et du coup, quelques cartes dans le B06 là, de Reverse et de Holo que je n'avais pas. Et du coup, bah, je fais quand même la collection avec mes Ultra Prismes Soleil et Lune. Bah moi du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Je vais faire l'ouverture prochainement du coup du deuxième coffret de Règne de Glace, du coup avec le Cavalier du Froid V. Et aussi prochainement, je vais faire l'ouverture de certains de petits boosters de B07, donc Évolution Céleste. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.